Alors, c'est mes chevaux, c'est mes fans, on se retrouve pour une Clash Royale. Encore une nouvelle arène, des bots, encore une nouvelle arène. Je la connais pas, je l'ai même pas joué encore, voilà. Ville sinistre, ça c'est fait. Donc, on est dans Polank des fripons. Voilà. Et des nouvelles cartes. Alors, est-ce qu'elles sont folles? Il y a l'archer magique quand même. Il y a la voleuse, il y a le bouliste. Il y a le petit esprit qui a l'air sympathique, là, l'esprit de guérison. Que j'ai pas trop joué, je vous cache pas, même sur le gros compte. Donc voilà. Donc ça peut être sympathique. On avait dit que, avant de commencer, les 1000 pouces de vous avez mis, vous avez passé large. Donc du coup, on tenterait peut-être le 1100 pouces bleus, ça serait formidable. Le 1100 pouces bleus pour un prochain épisode Clash Royale, l'aventure qui continue, qu'on est bien. Et on avait dit aussi que cette offre-là, on avait promis qu'on allait l'acheter. Et puis, vu qu'il y a une nouvelle arène, il y aura sûrement une offre derrière qui est cachée, donc il faudra faire une game pour débloquer l'offre, tout ça, machin. Donc on va le faire, voilà, chose promise, chose due, avec le code créateur BFR de la boutique, la bazounette, voilà. Donc on y va, c'est tout en bas, on met trois lettres, ça soutient énormément, merci pour ceux qui le font. Ça fait très plaisir. Voilà, j'ai vu aussi que vous avez proposé des decks. Continuez de proposer des decks. Faites pause là tout de suite maintenant. Proposez-moi un deck. Moi, ça va. Là, pour l'instant, c'est sur celui-là que ça passe toujours bien. Les recrues, c'était pas fou là. Enfin, le deck recrue était pas fou ce que j'avais. Vous avez dû proposer des trucs. J'ai pas eu le temps de regarder sur ça. Vous pouvez reproposer sur les recrues parce que j'ai pas un truc qui fonctionne super bien. Enfin, ça me paraît pas. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, on va mettre un peu de sous quand même. Voilà, puis j'ai envie de vous dire si on pouvait atteindre 20 abonnés supplémentaires dans cette vidéo, ça serait cool. 20 abonnés, s'il y a 20 par vivo qui passent, qui ne sont pas abonnés, voilà. C'est très bien. Voilà, 2500 gemmes. Voilà, c'est juste un petit rechargement, mais bon, on peut faire pire. On est parti, on commence par ça. Hein. Il y a deux choses à ouvrir. Oh purée, le petit inventaire avec le joker légendaire. Ok, les 40 épiques. Les clés de coffre. Alors, les coffres. Je vous ai pas dit, mais vous avez vu, j'ai un coffre épique aussi là. Voilà, c'est fait. Donc l'offre, elle pop pas tout de suite l'autre offre là. L'autre offre. Voilà. Donc on va faire ça. Oh, tour à bon, on s'en fout. Oh, j'ai lancé direct le coffre magique. Bon, c'est pas grave. Et c'est vas-y. 1004 au niveau de l'or, c'est pas dégueu. Ah, ok. 20 barbares, on s'en fout. Les chauves-souris, pourquoi pas. Les électrocuteurs, il aurait fallu un peu plus. La requête. Pas de légendaire, on débloque le miroir. C'est intéressant ça, débloquer le miroir, on pourra faire des decks un peu trollesques ou pas. Peut-être mettre des jetons épiques sur le miroir pour jouer fun. Ah, c'est pas mal. Donc ça c'est fait. L'offre est pas débloquée, donc on va voir. Après, il y a le défi du mineur, j'ai un tout petit peu commencé, mais je voulais avoir votre avis parce qu'on va voir si on peut le continuer. On va faire une game quand même pour aller débloquer l'autre offre. Et voir un petit peu à quoi ressemble cette arène que je ne connais pas. Elle est plutôt festoyante, une petite échelle en bas, j'aime bien le côté aérien. C'est plutôt cool. On va mettre la Cash Goblin, coup de cœur. Hein. Cash Goblin, c'est un peu la carte coup de cœur. Et le méga chevalier aussi, il est vraiment vénère en vrai. Un petit méga chevalier là, ça peut être pas mal. Ok, ça joue pas, vous dites pas, c'est pas un bot, on est d'accord. Robocopie 13, t'es pas un bot. Bon maintenant, si tu veux pas jouer, moi je dis pas non parce qu'on va tout... Ah non, il veut jouer quand même. Ok, ça à la limite, moi qui quand il dépop ma cache goblin, ça me dérange pas, au contraire, ça vient faire qu'il va suivre derrière. Gros push, alors qu'il aurait pu mettre là ici une bonne boule de feu ici, aurait été beaucoup plus embêtante qu'avant quoi. Voilà, du coup il me laisse prendre la tour, du coup il est plutôt sympa. Et il a une tour, attention, de niveau 11, donc ça veut dire qu'il a peut-être de la cartounette. Je vais faire ça juste pour... voilà. Pour pouvoir cycler. Mince, elle est mal posée. Ah, quand je joue pas avec mes deux mains. Une main dans la poche, ça le fait pas. On va faire le... Bon, mettre les deux mains comme ça. Sinon, j'ai des mauvais placements qui... Ça bifurque comme ça d'une case et ça change tout. On va remettre le sorcier de glace. Très bien. Le petit sorcier de glace qui fait plaisir. Ensuite, on va partir direct. Hein. Voilà. J'ai vu qu'il avait... Mais il a rien... Bah, ça fait déjà un bon bus en vrai. Hein. J'ai pas besoin de mettre plus. Hein. Il a give up, oh, je crois qu'il a give up, purée. Et les mecs, alors je sais pas pourquoi, mais à ce niveau-là, jusqu'à là où je suis déjà, peut-être même un peu plus, mais à ce niveau-là, les mecs, dès qu'ils perdent une tour, c'est fini, ils arrêtent, give up. Genre, t'as perdu une tour, ça a perdu ta life, quoi. Non, les buffs, faut rien lâcher. Il y a des remontada, il y a plein de choses possibles. Là, give up direct. Voilà, lui il a mis une BDF, ou alors peut-être, je sais pas, mais pourtant sa BDF a été placée. Ouais, je sais pas, ou alors il a give up avant, mais bon. Est-ce que ça rivale le shop? Ah, ça arrive. Oh là là. Eh, 2500. Attendez. 2500.
Vous avez vu 2500. Moi, j'ai rajouté parce qu'il faut, en fait. Bon, 2500. On va s'arranger. Bon, on s'est arrangé. On a fait un petit arrangement. Je m'attendais à une offre à 1250. Non, il a dit, vas-y, tu montes en arène, tu montes en thunes que tu dépenses, on va te saigner. Donc, on a un coffre incroyable, celui de gauche, là. C'est un... Comment il s'appelle ? C'est un super magique, mais vénère, ça. Un super magique éclair, quoi. Tu peux choisir des choses. On est parti. Oh là là, ça doit être puissant, ça, non ? Genre, je peux... Ah, purée, 500 000 d'or. J'ai jamais autant d'or de ma vie. Gobelin à lance. C'est pour ça, c'est pas fou, hein. On va pouvoir changer tout ça, là, c'est ça ? La boule de neige, peut-être on la garde. Oh, ouais, bon, ça, il n'y en a pas beaucoup. J'ai mis, je vais pas hydro là-dessus. Ah, ça, peut-être, je vais pas hydro non plus. Le bélier de combat, il y en a 162. L'Arc-X, je sais pas, hein. Je sais pas si je ridrop pas l'Arc-X. On va voir. La légendaire. Ah non, ça, je ridrop pas du tout, ça, les potes. Ah, déblocage du électro-sorcier. Hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on ridrop ? Qu'est-ce qu'on reroll ? Qu'est-ce qu'on truc ? 9 coups possibles, hein. Vas-y, gobelin à lance, j'aime pas. Tesla. On peut garder Tesla. On jouera peut-être Tesla. C'était une carte qui était pas trop dégueu. La boule de neige, je pense qu'on va la garder. L'extracteur à 7, on s'en fout, c'est que 7. Moi, ce qui m'embête, c'est peut-être les barbares. Oh, le géant royal. On va peut-être le garder, le GR. Ah, peut-être garder le GR. L'Arc-X, est-ce qu'on garde 28 Arc-X, est-ce qu'on garde l'Arc-X ? Non, je sais pas, il y a l'Arc-X. Ah, la foudre qui passe level 11. Ah, bah, je crois que c'est à l'époque, c'est, ça y est, hein, c'est plié. Hein. Bah, moi, ça me va. Moi, ça me va. On part comme ça. Allez, coffre suivant. 4003. Avec 66 jokers sur la commune. La plus 18, c'est pas beaucoup. Alors, 6 en épique. On peut avoir double joker là ou pas ? Non, seul, hein, c'est jamais. On est sur 2 sur 2. Là, du coup, c'est x1. Ça, c'est vraiment la blague. C'est juste pour débloquer une carte. Là, c'est pareil pour débloquer la carte. Donc, on débloque. Le séisme, on débloque. Quand est-ce qu'il envoie vraiment des cartes ? Là, il envoie vraiment des cartes. Esprit de feu, peut-être. Voilà, level up. Level up sur esprit de feu. 70, je pense qu'on va prendre sur les cochons. Faut qu'il apprenne sur le level 9. Voilà, il a 6 manquantes. Et là, le chasseur, j'en ai pas. Mais le chasseur, est-ce que c'est une carte qui a été montée depuis ? Je ne sais pas, dites-moi. Parce que jusqu'à présent, on m'a dit que c'était pas fou. Mais je sais peut-être que ça a changé. Donc je vais apprendre quand même, je la tente. Et là, le duo légendaire. Allez, envoie du lourd. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on va tout de suite partir sur le level 2 de l'électro-sorcier. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Double électro-sorcier, électro-sorcier par contre. Bon, on a bien mis encore. Est-ce que... Bon. Alors, je voulais, avant qu'on parle du leader, 4232, prochaine arène, elle est à... Ah oui, encore des trucs à prendre aussi, attendez. Ah oui, donc du coup, est-ce qu'on fait un peu le ménage 850. Voyons voir ce que j'ai en commune. Est-ce que j'ai des communes ici qui m'intéressent ? Il y a le petit squelette. Voyons voir même ceux qui sont pas un truc. Si je fais ça, ils me proposent quoi ? Le géant royal, en vrai. Hein. Je pense qu'on va mettre sur du géant royal. Ça peut être intéressant. Il va level up. Ah ouais, il level up, les potes. Level up du géant royal. Ça peut être intéressant. Ok. Donc là, on récupère. On est sur de l'opening, on récupère. 3250 ici, on récupère. La tour à bombe ou le séisme, je pense, prioritairement. L'émote, bienvenue à la maison. Il est pas foufou, mais voilà. Là, on va prendre le miroir, juste pour le monter un peu. Les 3500, ça fait plaisir. Oh, encore un coffre lourd. On dit pas non. Ok, les 64 ici qui passent crème. Ici, ça passe aussi normalement. Les épiques, par contre, il va me les transformer. Ah ouais, c'est plein. Et du coup, il fait quoi quand c'est plein ? Il met 6 miroirs. Ok, j'aurais peut-être dû gérer ça avant. Oh non, ah là, ici, il va me... Ah mince. Oh, mais c'est bon, ça ! Oh, c'est bon ! On le voulait, les potes, on le voulait. Ah, il m'a fait un truc positif, là. Magnifique, c'est tellement mieux, en fait. En fait, c'est bien, en fait, des fois, de pas avoir le joker dans... Ça peut être un bon truc. Ah oui, il veut que je choisisse. Ouais, on va prendre quand même la horde, parce qu'on en a pas beaucoup.
Oh là 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 là, il y a purée, il y a des decks possibles là. On a envie de tenter des trucs, on a envie de faire du séisme, gel, ballon, je sais pas quoi, un truc chelou. Là, je prendrais bien peut-être encore les cochons parce que je crois que c'est une carte que j'ai envie de jouer, les cochons royaux. Donc je vais quand même commencer à les monter. Les fripons, on va quand même les aider. Voilà, 183 en plus. Ah là, mon cœur me balance un peu. Je pense que peut-être je vais monter d'abord mon gobelin à Sarbacane avant le petit esprit de guérison. Et enfin, là le PK il est bien en vrai, j'ai pas envie de le monter plus, donc du coup le miroir j'ai même pas besoin de claquer des jetons et des jokers épiques dessus. Oh là aussi c'est pas mal, là pareil le poison on va le monter, c'est bien, hein, là en vrai c'est pas mal, ça me va très bien là ce qui se passe, ça me va bien au niveau d'équilibrage de mon... Oh, on va pouvoir en débloquer aussi la... Comment ça s'appelle ? La cave à bélier, j'allais dire la méga cavalière. La cave à bélier ! Ah ouais, on est... C'est une bonne régalade. Là, franchement, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant, on pourra faire des choses et tout, des nouveaux decks possibles, voilà, avec ces cartes. D'ailleurs, ah, peut-être cave à bélier, on va peut-être le mettre, vous allez dire... Oui, Bibi, ton deck, il est pas assez... des possibilités de trucs, peut-être on mettra une cave à bélière, on la monte ou pas, je sais pas, mais le cimetière aussi, alors je sais pas, on va se calmer. Le deck, j'ai pris vraiment un peu au pif, c'est pas au pifomètre, en vrai vous avez l'impression que j'ai repris mon deck, mais j'ai mis les deux cartes imposées, j'ai dit vas-y, qu'est-ce que je sacrifie, j'ai dû sacrifier bébé dragon et truc. Bon c'est passé la première game comme ça, je vous montre, et sinon vous allez me donner un autre, comme ça je le finirai plus facilement, mais bon après je pense que normalement, comme on a acheté le pass royal, on peut refaire même si on perd, non? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il fait genre. Vas-y, on lui met un mineur, il réagit comment? Ouais, tu vas pas me dire qu'il give up sur un... Non, il peut pas give up sur un défi quand même, sinon pourquoi il l'a lancé quoi, tout simplement. Ok, là, est-ce que au niveau du timing... Oula, si, là, ça c'est hard counter hein, ce que je viens de faire, non? Tac, tac, là je pense que je l'ai bien counterisé. Voilà, on va mettre les petits squelettes devant. Par contre, la mousquetaire m'a un peu saoulé derrière, ce qui fait qu'elle a complètement dépop mon... Voilà. Et là, peut-être, là, je vais hop. Mais non, ça aurait été mieux peut-être de laisser le... Non, si c'est bien, peut-être pour le sourcet de glace, ils prennent pas l'aggro. Ah, du coup, là, ils l'ont enchaîné direct. Ok. Là, c'est un peu énervé. Donc, on va... Alors, lui, attendez, il met des gros dégâts, non? Progressif. Voilà, il a mis des dégâts progressifs. Voilà. Là, c'est bien, non? Si je fais ça... Non, il vise pas, là? Si, il vise, quand même. Si, il est fort. Il est fort, on est d'accord. Il est très fort. On y va. Ça valait le coup là que je mette la capacité. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il se fera retrouver de l'autre côté à droite? Est-ce qu'il aurait pas été targeté aussi? Attendez, il me brain ou pas? Non. Ah, il m'a brain. Ok, il m'a brain. J'ai pas vu. Je pensais pas qu'il allait aussi loin. Je voyais pas le truc comme ça. Bien joué. Bien joué. Ok, on va le gratter un peu nous aussi. On va essayer de faire gaffe la prochaine fois, mais. J'avais pas. Avec le recul, je me suis dit, ça va pas si loin là, son. Et ça, elle est loin en fait. Ok. Ok. Ok, donc là, on va faire ça. Avec ça, un petit sensier de glace peut-être ici. Voilà. Il arrive à gérer les trois normalement. Non, il gère pas très bien. Hein. Il gère pas très bien, mais en élixir, on a mis pareil. Ouais, non, j'ai juste mon. Ouais, c'est pas foufou, hein. Ah, c'est un peu serré, hein, c'est un peu serré. Il tape un peu ou pas? Ouais, c'est pas mauvais, ça va te prendre un peu, là. Faut pas qu'il me... Ok. Bon, on va envoyer. Allez, on va faire ça. Et là, il envoie où? Ah, il a envoyé là, cette fois-ci. Voilà, attention. Non, c'est bon. On va envoyer là-bas. L'aggro a été pris. Ah, il va démonter mon... Là, il faut que je fasse ça, non? Attends, il passe ou pas là? Vas-y, il passe. Vas-y, avance. Allez, avance, va connecter. Allez. Hop, si je fais ça. Non, trop tard. Ah ouais, trop tard. Ah, j'ai pas le timing, hein, je connais pas bien la. Merde, je me suis trompé de. Attendez, je fais n'importe quoi là. Ah, j'ai fait nimp. J'ai pas fait les choses dans l'ordre, j'ai perdu grave. Oh merde, oh là là. J'ai grave abusé là. Attendez, parce que lui, il est un peu. Il est déter aussi lui. Oh là là, attendez, il met un truc là-bas. Oh non, 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 oh non, oh non. Oh non. Il met un coup encore. Oh, j'ai eu de la chance.
J'ai de la chance. Bon, il a fait des erreurs aussi. J'en ai fait une grosse et je crois qu'il en a fait aussi parce que voilà. Donc au final, il y a un peu de. Au niveau deck, en vrai, ça passe quand même, non? Vous trouvez pas? 6000, purée, ce défi, il est bon quand même. 6000, 4000, 2000, 10000. Bon. Ah, quand même, faire le kiff de tester quelque chose là, hein, parce que là on peut pas, on a eu trop de trucs. Est-ce que, ah, miroir, mais miroir quoi là, j'ai miroité quoi dans ce deck là, peut-être pas dans ce deck là. Bon, si on partait sur un, allez, 10, je vais dans le 10, comme ça c'est test. On a eu quoi? On a eu, ah, on a eu le sorcier électrique aussi, purée. Ah là 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 là. Si on va faire un truc un peu loufoque. Bon, si on disait, ah ouais, cimetière. Alors, cimetière, on le monte un peu. Genre, une légendaire. Parce que normalement, le cimetière, faut le monter, on est d'accord. On va pas rester sans cimetière. Donc, on monte le cimetière avec une légendaire. On monte le cimetière avec une légendaire. Ensuite, on dit que... cimetière poison à l'ancienne. Donc, il faut du poison. Le poison, c'était une rare ou... Non, c'était une limite. Non, c'était une épique. Ok, d'accord. Utilisé. On la met là. On la monte. Si ça monte à... Ou à 9, ça serait bien à 9, non? Un poison 9, à ce niveau-là, il faut jouer poison 9 quand même. Il en manque combien? Il en manque 3, ça va, 3, on va pas être... hein. On met 3 poisons pour l'avoir 9. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Géant, en vrai, c'est pas mal, non? Géant, poison, cimetière, non? Attendez, géant, poison, cimetière, il y a quelque chose là, non? Géant, poison, cimetière... Ça me paraît pas mal. Et est-ce qu'on mettrait un... Et si on se fait contrer, on fait quoi? On met un ballon, mais quoi? Non, je sais pas. Alors, on va mettre une méga gargouille. Ou alors, on met peut-être des petites battes. Non, j'allais jouer les petites battes. Peut-être les petites battes, ça peut être pas mal. Pour être pas cher. Un peu moins cher. Voilà. Un peu moins cher. Utilisé. On va se les mettre à la place d'ici. On va les monter un peu, forcément. Voilà, vu qu'on a du jeton. Tac. Voilà. 85. Ça me paraît correct. On est en train de faire de la... Ouais. On est en train de faire Masterchef. du Clash Royale. La conception, la recette du deck. Bon, ça se trouve, il est éclaté, hein, mais bon, on teste. Après, on voit ce qui est les défauts sur le terrain. On a 3-6, mais attendez, on veut pas les petits archers, on veut des sorts. Bon, les sorts, moi, faut que je reste sur du classique. Il me faut une BDF. Et il y a une bûche, hein, c'est tout. Hein. BDF, bûche, pour l'instant, moi, c'est. Ah, quoique, non, on a déjà. Non, pas du tout. On a déjà le. Bah, non, on est sur un. On a un point. Peut-être une bûche supplémentaire. Allez. Peut-être une petite bûche supplémentaire. Mais c'est tout parce qu'après, ça fait quand même pas mal de sorts. Donc, on va peut-être pas trop la pousser. Voilà. Peut-être une petite bûche ici. La BDF, même, on va la remplacer. Peut-être le moment de mettre une la petite mousquetaire. Hein. La petite mousquetaire, en vrai, elle est pas 10, hein. Elle est, ouais, bon, ok, c'est pas grave. Petite mousquetaire, tac, tac, et on va remettre une... Attends, on remettrait une... Oh, purée, il y a des cartes qui me plaisent pas, en vrai, là. On va remettre des petits squelettes, toujours. Voilà, ça, c'est la base. Et est-ce qu'on mettrait pas une petite cache goblin encore? Pour la défense, parce qu'on aime bien ça. Bon, ben, voilà, mais en vrai, il y a peut-être pas besoin, hein. Bon, voilà, c'est juste pour le fun. On va voir ce que ça donne. Testons. Après, comment je veux faire mon push? Est-ce que je veux le faire avec un géant plus un poison plus un cimetière? Ça fait beaucoup, ça, non? Ou alors juste géant poison et puis de temps en temps, quand il y aura de la thune, le cimetière. On sait pas. En tout cas, nous, ce qu'on va chercher, c'est tout juste se poser avec une cache gobeline. Oh, puis c'est très bien, voilà. Il BDF des petits squelettes. Il BDF des petites squelettes. Ok. Là, par contre, il me respecte pas. Ah, j'aurais pu bûche. J'avais pas la bûche. Si, attendez. Il a quand même un truc niveau 12 là. Attendez, là, c'est quand même vénère là ce qu'il me fait là, non? Est-ce qu'on peut punir là comme ça? Attendez. Non, pas du tout. Apparemment, on peut pas punir. Ça va être greedy ce que je fais. Je vais la tenter quand même. On va voir comment il défend. Je pense que je vais être dans la sauce après. Hein. Oh, on a bien récupéré la truc. On va quand même faire ça, non? En vrai, ça va, on récupère derrière, on n'a plus tempo. On a plus beaucoup d'élixir, mais on a pu gérer. Il va mettre un coup, lui, ce serait pas mal. Non, il met pas de coup. Ok. Ah, oh, purée, il y a tellement de tech possible maintenant avec ce qu'on a récupéré. Oh là là. Détente. Est-ce qu'il a give up parce qu'il a perdu sa tour? La fameuse théorie d'avant. Mais là, il se dit, je suis quand même à 894 sur l'autre. Peut-être qu'il va pas give up. Mais là, quand même, il fait pas grand-chose. Hein. Moi, je dis, je dépense. Lui, il dépense pas. Je sais pas ce qui se passe.
Ouais, non, purée, ça y est. Je vous jure, il give up direct. Le premier qui perd sa tour, il give up. Ça, c'est abusé. Bon, là, on va lui mettre, mettre la misère. Parce que là, s'il fait rien, ça part sur un poison ici. Voilà, on n'a même pas pu le truc. Mais on a fait un bon counter push quand même derrière sur son attaque. Voilà. Et pourtant, il avait des cartes qui avaient l'air assez élevées, non? Il avait un ballon 12 et tout. Son baril de gobelin, il avait l'air 12 aussi. Bon, voilà, écoutez, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc, on récupère pas mal d'or de bonus. Ah ouais, purée, pas mal d'or de bonus aussi, c'est bien quand même. Au niveau de la thune, ils ont fait grave des efforts. Combien on est au niveau de la caisse là? Donc, la saison, elle se termine dans le mois prochain. On a encore débloqué un truc? On a encore débloqué un truc sympa? Ouais, on a débloqué un truc sympa. On équilibre un peu, je sais pas encore ce que je vais jouer, donc je vais équilibrer un peu le niveau des cartes, voilà. Et du coup, on est... Non, c'est pas là. On est à 7000 sur les 25000. Il faut encore faire des étoiles. Il faut encore faire des crônes. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. À la prochaine. Ciao, ciao.